face. Les gars, j'ai une hype à mon paroxysme. Je t'aime, Yé. Viens dans ma chambre, Yé, quand je dors le soir. Fais-moi ce que tu veux, ma calaille. Yo, I'm Crave, qu'ils ont mis, personne s'y attendait. Quelle surprise, ça n'a pas été niqué. I love you, Yé. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. T'es la femme de ma vie, ma calaille. T'es qu'une grosse coquine. Oh là là. Et que ça fait du bien quand... Les gars, on est d'accord, je vais vous donner mon avis sur les cartes et tout. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand t'es... Quand il n'y a pas de leak, tu sais pas ce qu'il va avoir. T'as une surprise phénoménale comme ça, frérot. T'as une surprise phénoménale. J'ai eu la même sensation que si une femme me dit « PG, tu vas avoir... tu m'as mis en cloque. » C'est impressionnant, les canailles. Pensez à like, à vous abonner. Allez, équipe bronze, équipe argent. Cruyff, il demande une équipe à 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 80... Bon, il demande 4, 2, 89, 2, 88, 1, 87, 2, 86, 85, 84, bronze, argent. Il coûte 2,5 millions. Cruyff, il va coûter à peu près le même prix. Je pense aux alentours des 2 millions, 2,5 millions, Johan Cruyff. C'est le middle. Donc, moi, je vais vous dire, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les Johan Cruyff, les gars, ça je peux vous le dire. J'ai déjà testé beaucoup de cartes, les gars. Ça, je peux vous le dire un truc. Les Johan Cruyff, la plus grosse différence entre les cartes, c'est les stats de tir. Nassir, merci mon frérot pour ton don, ma canaille. N'hésitez pas à lui mettre un gros GG. Donc, Johan Cruyff, les frérots, la grosse différence entre toutes ces versions, c'est surtout le tir. Parce que, en termes de body, c'est le même. Et en termes d'animation joueur avec les skills, c'est le même. Je vais pas m'attarder très longtemps sur sa carte. C'est les Johan Cruyff, les gars, par rapport à leur body, si tu sais bien skill, c'est des cartes de fin de jeu. Même s'ils sortent des potiers, etc., il y a certaines icônes avec leur body type. Parce qu'il a un body maigre, si je me trompe pas. Mais avec ses animations, ça fait en sorte que c'est ultra cheaté. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh my god, Cruyff 94, il est trop fort !» Alors que si tu compares Cruyff 94 avec d'autres versions de Cruyff, il y a des bas. Avec d'autres cartes, pardon, dans le jeu, il y a des bas qui coûtent moins cher en termes de stats. Mais après, il y a le body type et l'animation sur tout joueur. Leur propre animation. Et il a ses propres animations aussi, Johan Cruyff. Et c'est pour ça que ça fait une carte, c'est monstrueux. Après, il n'y aura pas une grosse différence avec l'icône de base. La middle, si je ne me trompe pas, plus de tir, un petit peu moins vitesse. Mais voilà, c'est... Et la middle, elle a un point positif comparé aux autres versions. C'est que pour le caler, c'est plus facile. Parce que tu peux le caler aussi à MOC. Que les autres versions, c'est que PU ou AT. Donc, il a cette qualité que les autres n'ont pas en termes de... Après, voilà, avec la World Cup, il n'y a pas une grosse différence. La plus grosse différence, c'est avec le Prime. Que le Prime a une grosse qualité de tir comparé à celle-là. Mais vraiment, les gars, moi, j'ai une hype monumentale. Et il va rejoindre mon équipe, je pense bien, les gars. Parce que... Et je vous mens pas que j'avais la demi-molle et que mon caleçon est en train de se craquer. Ça reste entre nous, j'espère que vous le direz à personne. On est parti pour la vie SBC sur Dias, les gars. Il demande qu'une équipe à 83, les gars. Donc, Dias, les gars, ça peut être intéressant. Il demande qu'une équipe à 83. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que la carte peut évoluer avec les défis. Dites-moi sur le chat si j'ai bien raison. Agilité 89, équilibre 76. Après, il n'a pas une grosse agilité, une grosse équilibre. Il peut que jouer AG ou MG. Le problème, c'est que même si la carte peut évoluer... Ouais, objectif, il y a plein de trucs, on va aller voir ça. Voilà, il peut évoluer, après, il ne demande pas beaucoup. Donc, si tu veux le faire, tu le repositionnes in-game, MOC. Parce que AG, il n'a pas beaucoup d'agilité d'équilibre. Et je crois qu'il prendra que 1 plus 2 dans sa carte. On ira voir par rapport aux objectifs dans tous les cas, les gars. Après, bon, il a une carte après, les gars. Il demande qu'une équipe à 83. Moi, je vais pas être dur avec cette carte. Après, il a double 4. Tout dépend de l'évolution de sa carte. On ira voir ça après. Incroyable le contenu. IE qui nous régale enfin. IE qui nous régale enfin. On t'aime, IE. Double renfort 83+. Grosse affiche. Renfort 82x20. Renfort 75+x65. Renfort campagne variée 85+. Mécalaille qui te demande une équipe à 82 et 83, les vicieuses. C'est où tu peux avoir un joueur one to watch, HP, Joker, Hiver, mention honorable. C'est, les gars, c'est exceptionnel. J'ai la demi-molle, je l'ai tout dur, les gars. C'est magnifique. C'est IE, on t'aime. On a retrouvé de l'amour envers toi. C'est comme cette meuf que j'ai pas envie de marier parce qu'au lycée elle était dégueulasse et que je me retrouve à la voir à 19 ans avec un beau décolleté. Me dis putain, j'ai fait une erreur. Et en fait, j'ai envie de la marier. Eh ben, yeah, c'est un peu comme ça, j'ai envie de te marier.
T'as moult, les gars. Donc voilà. Voilà, les gars. Ça, si je me trompe pas, il y a le SBC de Diaz. Marquer un but en finesse avec Luis Diaz chute valeur dans 5 matchs, équipe distincte au niveau semi-pro minimum. Donc écoutez bien, les gars. Ceux qui vont dire, on n'a pas besoin de faire Diaz SBC. T'es obligé de faire Diaz SBC. Avec Diaz SBC, tu marques un but en finesse avec Luis Diaz chute valeur. Et grâce à ce défi, tu gagneras Diaz 88. Et en fait, on croyait qu'il allait avoir que de l'APL, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui qu'il nous offre de l'APL. Peut-être demain, il y aura de la Ligue 1. Peut-être demain, il y aura de la Ligue 1. Les gars, j'ai une grinta, mais vous pouvez pas savoir, les gars. On dirait j'ai pris de la coque, les frérots. Les gars, c'est impressionnant, les gars. Il me la met tout dur, les gars. Et Diaz, donc voilà, ça sera sa carte finale, les gars. 94 d'accélération, 93 de vitesse. Là, la carte... Ah oui, mais elle a rien à voir de la 86. Ah, mais les gars, elle a rien à voir de la 86 à la 88. Ah oui, la 86, en fait, tu l'as fait, ça fait le café. C'est pour faire, c'est pour tartiner, les gars. C'est pour tartiner la biscotte. Et après, tu fais les défis, tu gagnes cette carte. Mais elle est monumentale, les gars. Puissance de tir, finition, tir de loin, agilité, équilibre, calme, réactivité. C'est, j'ai l'impression, Léo Summer Hit après la touti. C'est énorme. IE fait fermer les bouches. IE, les gars, faut le dire. Moi, je suis quelqu'un qui le dit. Quand IE font de la D, je le dis. Quand ils font des choses exceptionnelles, vous êtes des gottes. Je le dis. Je suis pas le mec qui dit que dans un sens. C'est exceptionnel, les gars. J'ai la demi-molle. C'est exceptionnel, les canailles. C'est exceptionnel. On va regarder la carte de Munt. Il y a d'autres cartes aussi à gagner. C'est rendement élevé, élevé, double 4, Munt. Tu peux te jouer à MOC, tu peux te jouer à AD. Il a 88 d'accel pour 84 de vitesse. Qualité tir, exceptionnelle sa qualité tir. Surtout que c'est un joueur que tu peux peut-être repositionner MC, mais si tu repositionnes MC, c'est à 3 milieux de terrain, les gars. Parce que comme vous regardez défensivement et physiquement, ça fait pas, c'est pas exceptionnel. Mais il a l'agilité, l'équilibre, il a une grosse réactivité. C'est les profils un peu, tu sais, à la Pedri, à la Gavi, à la Modric. Et c'est gratuit, les gars. Donc bien sûr, je le conseille à tout le monde, à 3 milieux de terrain... Un petit peu plus offensif avec sa qualité de tir. Je pense qu'il peut avoir un crash marché, les gars. Avec toutes les cartes gratuites qui tombent, qui commencent à donner, est-ce qu'il n'y aurait pas un crash market qui va pas tarder, les canailles? Une erreur. Oh là, on peut pas toutes les voir, les canailles. OLD Cop 5 sub à la chaîne. Les gars, n'hésitez pas à mettre un max de GG à LD. Et quelqu'un, si quelqu'un peut mettre le lien de LD, les gars. LD est un leaker sur Twitter. Il a 16 000 abonnés. Oh, mais tu me régales, LD. N'hésitez pas à mettre un énorme GG à LD, les frérots. Merci énormément, mon frérot. Il y a un bug, je sais pas pourquoi, on peut pas regarder les autres cartes. Il faut peut-être aller en concept. Je sais, mon frérot, que tu ne fais pas pour ça, mais ça me fait plaisir, frérot. Chaque fois que tu viens, que tu me fasses un don ou pas, tout le temps, je dis, c'est un liqueur, mettez son lien tout le temps. Les gars, le contenu est incroyable. Est incroyable, le contenu. T'as des Saoudiens, les gars. T'as des Saoudiens en MLS. Ça, c'est à mon avis, CR7 va pas tarder à avoir une carte, je pense. Après, je sais pas s'ils ont mis un truc en boutique. Merci, en tout cas, LD. Voilà, pour les défis, ça peut être pas mal, hein, pour certains défis, à mon avis. Ça peut être pas mal. N'hésitez pas à remercier LD à chaque fois que vous voyez votre... Aldo Azari, les gars. 5 de mauvais pieds, les gars. Rendement élevé, élevé. Accélération, vitesse. Le contenu est incroyable, les gars. Il a une belle petite carte. Après, voilà, c'est pas la carte du siècle, mais il a une belle petite carte. 4 de GT, 5 de mauvais pieds. Il a de l'agilité, d'équilibre. Bon, il a pas de tir, c'est le problème de sa carte. Mais là, c'est exceptionnel. Igor Coronado, les gars. Voilà, c'est des cartes de petit championnat, mais brésilien, 5 de GT, 4 de mauvais pieds. C'est pas mal pour faire des défis si vous avez la motivation, les canailles. Et les gars, on est 1135, on est qu'à 395 likes. Je suis tous les jours en live. Pensez à vous abonner, à mettre le like. C'est gratuit, les gars. Pensez à donner de la force. C'est gratuit de donner de la force, de mettre un like et s'abonner. Je compte sur vous vraiment, les canailles. Il a une belle petite carte. Après, c'est des cartes qui manquent un peu de finition. C'est en MOC. Après, en milieu gauche, tu peux te jouer milieu gauche, mais il a moins de vitesse. Mais c'est des cartes sympathiques. C'est des petits défis. Et tu peux gagner aussi cette carte. Medran, un MC espagnol. C'est pas les cartes du siècle, hein. C'est pas les cartes du siècle. Rendement élevé moyen. C'est pas les cartes du siècle, mais ça, c'est sympa, quoi. Et tu peux gagner.
Abdul Hamid, avec c'est un Saoudien, les gars. C'est un Saoudien, DDDC, MDC. Je pense que peut-être il y a CR7 qui peut pas tarder à sortir ou quoi. Je pense qu'il y aura une carte de CR7 ou quoi qui donne pour faire des liens. Il a aussi une belle carte. Après, c'est des cartes, voilà, dépassées un peu, certaines. Mais voilà, c'est des belles petites cartes. Là, ils ont. Les gars, le contenu e-sport nous régale. Après, les autres cartes, c'est dommage, je peux pas les regarder, les gars. Je sais pas pourquoi je peux pas les regarder, les gars. Mais vous avez Madueke, en tout cas, Grilich, ils ont tous des cartes assez intéressantes, hein, dans tous les cas. Les gars, limite, vous pouvez vous faire une équipe. Vous pouvez vous faire une équipe, les gars. Ah, il y a des points d'interrogation. D'accord. Faut attendre, bien vu, le 18 mars, elle sort. Le 19 mars, le 20 mars, le 21 mars, le 22 mars, le 23 mars. Donc, d'accord, je croyais que tout sortait en même temps. Bien vu. Donc, voilà. Donc, le premier, déjà, pour avoir Mount, c'est simple. Tu fais le SBC de Diaz avec le Diaz 86. Tu fais ce qu'il a marqué. Marquer un but en finesse avec Luis Diaz, footballeur, dans 5 matchs clash équipe. Tu gagnes Luis Diaz et quand tu finiras tous les défis, eh ben, en compensation, en plus de ça, tu auras Mount. Et que tu auras fini jusqu'au 23 mars. Voilà. Mais jouer pour gagner Mount footballeur, c'est débloquer l'objectif jouer avec style et son pack équipe footballer. Premier en récompense le 24-03. Voilà. Donc vraiment, les gars, je trouve ça super original. Et à chaque fois, ils vont sortir leur SBC en gros. Si j'ai bien compris. Dès aujourd'hui, un pack de 10 crédits sera disponible en boutique. Ok, c'est bon à savoir. Premier, Luis Diaz. Deuxième, c'est Banford. Tu fais le SBC de Banford. Et tu récupères Banford de carte cheatée. Comme avec Diaz. Et ça sera pareil avec Kulusevski et avec Oxlade-Chamberlain. Je trouve vraiment que au moins, il y a de la recherche. On ne peut pas critiquer à chaque fois e-sport. Je trouve vraiment, les gars, que EA, voilà, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Voilà, quand ils font de la D, je le dis. Quand j'ai la hype, je le dis aussi. Ils m'ont pris à... Je m'attendais pas, les gars. Ils m'ont vraiment... pas qu'en promo, pas qu'à 10 crédits, ouais, mais... voilà. Donc voilà, vous savez tout, en tout cas, sur l'event. Sur... Et voilà, c'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.